Allez, on va essayer de découvrir le CV9105 que j'ai acheté là. Donc pour l'instant, je fais que monter. En quelques jours, j'ai fait plus de 800 000 lions. Donc bien sûr, il a la thermique en tireur et en chef d'engin. Voilà le bestiau, hein. C'est du 105, c'est la tourelle 10RC à la base qui est modifiée. Donc, stabilisateur, il y a tout ce qu'il faut. Et surtout l'avantage, c'est que c'est ce qu'on appelle un chasseur de char. Et j'ai la possibilité de repérer les ennemis. Et ça me fait noir de points. Donc là, si je vois du monde par exemple passer en face là-bas, à partir du moment où ça s'affiche sur le centre de ma jumelle, donc là par exemple au centre de la proie là qui est sur le caillou, et que j'appuie sur la touche V, que vous voyez à l'écran en bas, V avec la paire de jumelles, ça détecte l'ennemi. Mais si l'ennemi se fait détruire pendant que je l'ai détecté, ça me fait entre 2 et 5 000 points. Enfin 5 000 lions. Donc c'est pas négligeable du tout. Il y en a déjà qui se font détecter là-bas. Ça va pas tarder à sortir, je suppose. Bon, de toute façon, ça, on va prendre le temps, hein. Moi, j'ai l'avantage, là, j'ai le buisson en plus qui est devant moi, donc logiquement, même à la thermique, il ne me voit pas. Je vais quand même télémétrer la lisière au fond là-bas. Je suis à combien? 1002. Ouais, je suis à 1200 mètres là-bas, donc je vais m'y mettre tout de suite, comme ça si je vois quelqu'un dans la lisière. Parce que leur spawn, il est dans cette direction-là. Il y a bien du monde à un moment donné qui va se pointer sur le côté là. Pour l'instant, je ne sers pas grand-chose, je vois rien. Ah, je pourrais éventuellement voir au bout là-bas. Ça tire d'en face là-bas, hein. Putain, du hasard, il s'est mis devant moi. On va essayer de changer de position. Hop, regardez, il y en a un là-bas. Merde, j'étais dessus comme un gland. Et là. Hop, repéré. Je suis mis à 1200 mètres, mais c'est encore peut-être trop juste là-bas. C'est peut-être, je suis peut-être plus loin en fait là-bas. Ouais, je suis même à 1003 là-bas. Hop, non. Allez, ce serait bien qu'il se fasse détruire pendant qu'il est spoté. C'était sûr que ça allait arriver de là-haut, hein, de toute façon. Gaffe parce que du coup, oula, là ça m'a sifflé aux oreilles, je sais pas d'où ça vient. On va rester tranquillou. Ah, il est là-bas. Pourquoi je peux pas le détecter? Boum, touché. Ah, voilà, repéré. Bien sûr, là j'ai des arbres. Putain, il est juste là cette saison.
tiens. Bah ouais. C'est bien fait pour toi, parce que plusieurs fois que tu te mets devant moi en plus. Et ça veut dire aussi qu'il y a du de l'hélico qui est là d'ailleurs. Donc on va se cacher. Hein. On va aller se mettre dans les bois là, enfin entre les arbres. Là, je vois plus rien pour le moment. Je sais pas si c'est pour moi, pas pour moi. Il est pas loin l'hélico. Là je reste à l'abri volontairement des arbres, parce que sinon. Hop. Ils sont juste là ces enfants. Ils sont en train de nous spawn kill. Ça va pas tarder en tout cas. Bon. Ça je leur fais rien. Je vois toujours rien de plus. Apparemment il y avait quand même du monde là dans les... Ça c'est quoi? Ils sont en train de reprendre A, donc on va tenter. On va lancer un peu l'artillerie dessus. J'ai un petit peu peur de me faire asmater alors j'avance pas trop. Parce que c'est quand même un véhicule qui est léger en termes de blindage. Hein. Tiens. Allez vite, on va se cacher. On va essayer de se mettre là. Voilà. Là, je suis pas mal. Je vais juste me mettre comme ça. On va réparer en espérant qu'il n'y ait rien en face de moi, sinon je suis mort. Bah si, il y a lui là. Ah putain, dommage. J'ai pas le temps de le repérer. Un centaureau. Il va revenir. Il me semble que c'était un centaureau. Ah, j'ai tiré qu'il ne fallait pas. Bon, je vais pas me faire détruire pour rien. Bon.